Les chroniques de Marion Pouvreau. Des billets d'humeur pour rire ou quelques notes d'humour sur le quotidien et l'actualité. Quoi, on est déjà à l'aube de l'été? Enfin, ça dépend des jours. La météo est un véritable Kinder surprise ces temps-ci. Sur quoi va-t-on tomber aujourd'hui? La pluie? Oh non, on l'a déjà eu! Et dès le lendemain, surprise, il fait 28 et il faut ressortir les shorts, les t-shirts à manches courtes, les robes. Et moi, bizarrement, à chaque mois de mai, au moment où les températures se réchauffent et où tout le monde se précipite de nouveau à la mer, j'angoisse un peu. J'angoisse parce que ce petit short en jean que j'ai porté tous les jours des vacances l'an dernier, eh bien, maintenant, il est un peu serré. Trop serré. Alors, si vous êtes comme moi, peut-être vous connaissez cette technique imparable du « c'est pas grave, je rentre le ventre et je respire plus ». Si ça se trouve, dans le Grand Bleu, le gars s'est mis à l'apnée parce qu'il voulait avoir le ventre plat dans sa combi. On ne sait pas. Et je sais, croyez-moi, je sais que le summer body, vous savez, ce corps mince et musclé et épilé et délicatement bronzé, mais pas trop, qu'il faudrait arborer pendant l'été, c'est une incroyable connerie. Déjà parce qu'un corps, on n'en a qu'un. Donc on peut pas le mettre dans une housse de rangement en tissu qu'on laisserait à la cave d'octobre à mai et qu'on ressortirait tranquillement dès le retour du soleil. Ça serait pratique, faut dire oui c'est vrai, ça serait pratique, on aurait juste plein de corps de rechange à adapter aux saisons et à nos envies. Des petits, des gros, des blancs, des géants, des... Timothée, tu mets ton grand corps aujourd'hui, on va au basket. Ça réglerait bien des problèmes d'identité, certes, mais on finirait tous par se ressembler, non? Parce que c'est ça qu'il faut accepter, que nos corps soient tous différents, escamotés, bancals, potelés, creusés, plutôt que aseptisés, uniformisés, régularisés. Et non, ceci n'est pas une excuse de moche. Mais même si moi je me répète 102 fois dans le miroir que c'est normal, il y a toujours, toujours un petit moment, entre avril et mai, où je me dis et si je m'inscrivais encore, enfin enfin plutôt, parce que je n'y ai jamais mis les pieds, à ce cours de fitness auquel j'ai promis d'accompagner Constance, ma copine parfaite. Et si, par un hasard total du calendrier, je décidais d'arrêter le sucre maintenant? Certes, ce sont de bonnes idées, mais là, tout de suite, présentement, j'avoue, c'est une course au summer body. Alors... je vous laisse, j'en ai une autre affaire de course. Je vais m'acheter un short un peu plus grand, m'assurer que je suis bien dedans et je garde l'apnée pour la mer cet été. Allez, à la semaine prochaine.